Attends, je veux juste voir prendre une question au pif. Je veux juste voir. Attends, c'est pas par rapport au fil. Non. On s'en fout. Alors. C'est par rapport à Flexi, non? Ok, c'est bon, j'arrive à bien voir. À bien voir. Ok. Fermé. Hop. Donc, mais t'es con aussi. Voilà, c'est bon. Bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale, sur un thème, non, pas sur un jeu vidéo, en compagnie de... Interrompé ! Ouais, bon, attention, voilà, comme ça, on est tous les deux dans l'écran. Donc c'est pour quelque chose d'un peu pas spécial, enfin si un peu, sur le thème de... Attendez, sur le thème de Star Wars, quiz de Star Wars, comme vous pouvez le lire. De toute façon, je ne fais pas de marque pour Disney parce que c'est... Je pourrais, mais non. Non. Placement produit. Non, c'est grave. Donc, il y a des cartes. Donc, je prends une, s'il vous plaît. Donc, il n'a pas vu le 3. Donc, toutes les questions sur Star Wars 3, je les éliminerai ou je me les poserai. Donc, il y a un côté question. Donc, avec 5 questions. Et côté réponse. Pas celle avec les cheveux longs et blonds de Disney. Non, les réponses. Juste des réponses. Avec les 5 réponses dedans, donc voilà. Donc, y a... bien sûr, on va pas faire toutes les questions, parce que... C'est beaucoup trop long, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a tout ça de questions. Donc voilà. Je commence ou tu commences? Je veux bien commencer. Tu commences à dire? Ouais. Bah attends, si je pioche la même carte que je viens de remettre dedans... Tiens. C'est les questions. Donc si tu m'en poses une, je t'en poserai une. Regardez, la force est avec moi, avec Maître Stitch, voilà. Tape le micro. Que moi, Maître Stitch, je suis. Voilà, c'est tout. Petite intro pour Stitch. On va poser là. Ouais, je suis pas très loin. C'est bon, première question. Ok. Quelles créatures ont aidé le grand Moff Tarkin à faire les plans de l'étoile noire? Réponse A, les Géonosiens. Réponse B, les Muns. Réponse C, les Jawa. Les Dionosiens. Alors tu retournes la question, la carte, et tu regardes la toute première. Eh ben tu avais raison. Ouais, un point pour moi. Bon, on va faire une autre carte. Comme ça, j'ai gagné, donc je la pose là. Je la pose à droite, tu seras à gauche, d'accord? D'accord. Donc, premier truc... C'est dans les vieux Star Wars, les originaux, je sais pas, tac. Première question, à qui appartenait le sabre laser d'Obi-Wan, Kobe-Wan? Je recommence. À qui appartenait le sabre laser Kobe-Wan donna à Luke Skywalker? Je dirais à Anakin. Au père de Luke, donc Anakin Skywalker, donc entre parenthèses Dark Vador, donc tu as raison. Donc un point pour toi, un point partout. Voilà, maintenant. Moi j'ai dit au pif, hein, vraiment. Bah c'est logique de savoir qui donne dans le 5. C'était le bleu, mais oui, pour ceux qui savent, je ne l'ai pas là parce que je suis une. Voilà. Alors, qui sauve la vie de Luke dans l'Empire contre-attaque en utilisant une carcasse de Tov Town? De quoi? Qui sauve la vie de Luke dans l'Empire contre-attaque en utilisant une carcasse de Tov Town? C'est quoi un Tov Town? Je ne sais pas du tout. Très très juste. Je sais même pas ce que c'est un Tov Town. Ta réponse est je ne sais pas? Attends, je vais regarder sur internet. Est-ce que c'est un Tank? C'est de la triche! Ben non, mais attends, c'est quoi un Tank Tank? Tu sais ce que c'est toi un Tank Tank? Non. Ah! Mais tu peux quand même deviner qui c'est qui a sauvé la vie de Luke. Mais il y a plusieurs personnes. Il y a Obi-Wan quand il s'est sacrifié, donc c'est pas ça parce qu'il a pas utilisé de Tank Tank. Il a pas utilisé un objet, on va dire, après. Qui l'a sauvé? Ben je sais pas, ça peut être sa soeur, ça peut être Han Solo, ça peut être Chewbacca. Eh ben, dis ce qu'ils ont fait chacun. Comment ils l'ont sauvé?
Comment il a sauvé sa sœur? Comment sa sœur l'a sauvé? Avec un truc de tintin. Je sais pas, un objet, je sais pas moi. Je sais pas, je vais dire Han Solo, vas-y, balance. Eh ben c'était Han Solo. Tu as très raison. Non, c'est vrai. Bien joué. Non, c'est vrai, mec. Mais c'est vrai. Ouais, au hasard, j'ai fait entre les trois personnages, j'ai fait Han Solo parce que je suis bacal. Je me souvenais plus. Et what the hell, bro? Question. Oh, c'est Yoda. Vous avez vu pour Yoda. Donc alors, quel esprit prend contact avec Yoda à la fin? Ah non, non, je te fais pas celle-là, j'en change parce que c'est une question sur le 3. Ah non, bah attends, je te fais peut-être les autres. Ah oui, ok, c'est bon. Je peux faire la deuxième question sur la même carte. Donc la deuxième. Lorsqu'un apprenti Jedi devient maître, que coupe-t-on de sa chevelure avec un sabre laser? Je sais pas si tu peux savoir en fait. Je crois pas. Ah non, non, on va pas faire ça là parce que ça va être une 3, je crois que c'est dans le 3 quand même. Non, 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 c'est bon. Arrête de réfléchir, tu réfléchis trop. De toute façon, ça se sent, il y a un peu qu'il y a un désert. Le sabre laser de Yoda est vert. Oui. Mais de quelle couleur est le sabre de Mace Windu? Ça, c'est la question l'une des plus faciles que tu peux c'est avoir. C'est qui Mace Windu? Ah oui, c'est le gars noir là. Désolé les gens, mais c'est pour me repérer parce que je viens. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, on va dire, Star Wars. Donc je dis qu'il est violet. Violet. Tu as raison. Mais les autres en fait. Ce n'est pas du racisme, hein, les gens. Ce n'est pas du racisme. Padawan, quand tu vois, t'as Obi-Wan et Anakin dans les 1 et 2, ils ont un truc là. Ouais. Et en fait, c'est ça que tu leur enlèves quand tu deviens maître. D'accord. Donc, en fait, c'est. Je sais pas comment on appelle ça. Ils appellent ça comment? C'est la tresse de Padawan. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Comment Yoda décrit-il l'esprit d'un enfant? Ben, c'est que c'est le meilleur esprit que. Peut-être qu'il n'y a pas un meilleur esprit que celui d'un enfant. C'est celui qui est le plus imaginatif. En tant que joueur. Ben la réponse est merveilleuse intelligence que celle d'un enfant. Donc je crois que tu as faux. Ouais, ça revient à ce que je viens de dire. Mais... Vous jugez dans les commentaires. Cette carte-là pourra peut-être être décisive. Donc on la met sur le côté. Ouais, voilà. À toi. Hop. Question sur le 2, je crois. Qui ordonne à Obi-Wan de traquer le chasseur de primes qui a réduit au silence Zam Wesel, c'est une meuf mutante. 1. Mace Windu. B. Maître Yoda. C. Luke Skywalker. Bon, déjà, Luke n'était pas né. Ah, ça... J'hésite entre Maître Yoda et le sabre violet. Mace Windu. Et je dirais Mace Windu. C'était Yoda. Oh non! Comment on fait dans ce cas-là si tu gagnes? Au milieu aussi? Ouais, non, là c'est perdu. Oui, mais en gros, c'est toi qui a fait un. Ouais, bon. Non, de toute façon, on a gagné le point, donc c'est à toi. Ouais, c'est marré. Non, si bah, tu réponds faux comme là, personne n'a le point. Bah, je pourrais, hein. C'est un jeu, mais. Je cherche une question la plus compliquée parce que lui il regarde assez souvent Star Wars, donc du coup je cherche les questions les plus compliquées. C'est pas que je regarde souvent Star Wars, c'est juste que je suis l'un des plus gros fans de Star Wars, donc malheureusement je sais à peu près répondre aux questions. Je sais. À qui Leia confie-t-elle les plans de l'étoile R2-D2. R2-D2. J'ai pas fini ma question. Avant d'être capturé par Dark Vador. R2-D2. Avec pour mission de trouver Obi-Wan Kenobi. Tu es chiant. Non, c'est Obi-Wan. Donc ça fait 3-2 pour ce couillon. Et ouais, je sais. Ah, c'est dans le 1, Star Wars. Oh là là. Qu'est-ce qui rend les droïdes DK si compliqués à abattre? Donc c'est les droïdes avec les deux trucs comme ça et qu'ils ont un bouclier rond. C'est ça.
ça. Y a pas de proposition. Non. En fait, t'es méchant avec moi. Moi, j'ai le droit parce que toi, tu connais assez bien Star Wars, mais moi, je connais pas trop. C'est dans le 1, c'est dans le 1. En plus, tu l'as pas vu. C'est dans le 1. Ben, c'est. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Les droïdes DK, c'est ça, les droïdes DK, c'est ceux qui sont sur 3 pets qui roulent. Alors, moi, je dirais, c'est parce qu'on peut pas les découper avec un sabre laser. On peut pas les toucher avec un sabre. C'est une question, ça. Qu'est-ce qui rend les droïdes DK, donc ça, si compliqué à abattre? Ben, on peut pas les détruire avec un sabre laser. T'es sûr? Ça veut dire qu'il n'y a pas ça déjà? Non, ben je sais pas. Bon, je te donne la réponse, mais je vais t'expliquer. Ils ont des générateurs intégrés d'écran déflecteur. En fait, c'est leur bouclier. Et tu peux pas passer un sabre dans leur bouclier. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas que tu peux pas les abattre. S'ils ont pas de bouclier, tu peux les abattre. Oui, mais c'est à cause de leur bouclier qu'on peut pas les abattre. Mais t'as pas parlé de bouclier? T'as dit que tu pouvais juste pas les détruire avec un sabre. Mais dans la question, si je lis bien la question, non, il y a écrit qu'est-ce qui rend les... Ah, je croyais qu'il y avait un truc de bouclier dedans. Ah ben... Non. C'est moi qui ai juste parlé oralement de bouclier. En fait, je t'ai donné presque la réponse, en fait. Donc tu m'as embrouillé parce que t'as parlé de bouclier alors que je savais non, très bien que c'était à cause de ça. Mais il fallait juste que tu répètes, je le dis à la vidéo, en plus. C'est à toi, vas-y. Il m'embrouille, les gens, il m'embrouille. Ben non. Je vous ai juste expliqué et en fait il avait juste écouté ce que je vous avais dit et en fait il aurait écouté. Attends, on est à combien là 3. Oh, avant d'aller à la question. Alors là, il va falloir que tu fasses très bien marcher ta mémoire. Que crie le Stormtrooper FN 2199 à Finn sur Takodana? Mais le soldat FN et les boîtes, c'est Finn. C'est la même personne. Donc j'ai pas compris la question. Que crie le Stormtrooper FN 2199 à Finn sur Takodana? Mais c'est lui, le droit. Le... Ben il y a une réponse, je sais pas moi, en tout cas c'est pas ça la réponse, c'est pas. Mais je sais, mais si je crois. Voyez les gens. Un truc d'humeur ou un truc du genre. Ah, ou traître. Ah si, c'est traître, sale traître. Mais en plus j'ai fait un signe. Si, c'est sur le combat. C'est quand il se combat lui au sabre et le mec il fait sale traître et il sort son truc qui est anti-émeute et après il se tape avec. Si, c'est ça. C'est ça. Ouais, tu as raison. Et quand je vous dis les gens que voilà. Bon, là c'est la dernière question. Parce que comme ça on arrive. Oh putain, je tombe la dernière question sur Star Wars 3, donc je prends une autre. Comment s'appelle la lune forestière? Ah non, je pense pas que tu vas connaître parce que même moi je connais pas ça. Donc quel est le nom du chaman de la tribu Breki? Non, ça aussi tu veux pas connaître. Putain, c'est quoi c'est? Quoi c'est de... On va jamais. Ouais. Voilà. À quel endroit Han Solo est-il retrouvé par un chasseur de primes? Ce qui le fait changer d'idée comme t'as quitté la rébellion. Un horde. What? Non, ça aussi tu veux. Mais bon, je connais pas. What the fuck? Et mec, il tombe sur des questions. Moi, je tombe sur des questions faciles pour lui et moi, ben voilà. Bon, j'ai tout sur, sur quelle planète vit Rey Vitel? Ça, c'est facile. Rey Vitel? Non. Sur quelle planète Rey, le personnage dans Star Wars 7, vit-elle? Pratiquement pendant tout le film, on n'en parle que de ça. Il n'y a pas de proposition. Non, il n'y a pas de proposition. Tu peux pas m'en faire 3, s'il te plaît? Parce que les planètes, je les connais pas très bien. Tatooine, Jakku ou Geonosis? Tatooine. Non, c'était Jakku. Tatooine, mais non, pas Tatooine, c'est fait exprès. J'ai fait exprès de dire Tatooine et Jakku parce que ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Bon bah les gens, je sais pas si vous montrer le tas que j'en ai deux fois plus. Hein. Voilà. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Si vous en voulez plus, bah dites-le nous dans les commentaires. Voilà, c'est la fin. Donc sur ce coup-là j'étais un peu meilleur. On va certainement en faire un autre. Peut-être pour sa revanche. On est
Dites-nous aussi si vous voulez. Bah la prochaine fois, peut-être que j'aurais peut-être regardé le 3 aussi, non? Vas-y, Dieu, je te fais des questions sur le 3, hein. J'ai dit, faudrait peut-être que je l'ai regardé. Si ouais, tu me fais des questions alors que j'ai pas regardé, ça va pas le faire. Ouais. Bref. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Tu... Eh bien, moi, regardez. 3, 2, 1, je suis plus là. Je vais vous dire plus tard.